pour inventer des rouleaux de printemps. Et en fait, ils ont enrobé le cellophane. Sauf que moi, j'ai pas envie de manger ça. Là, on est aux douanes. Bon, voyons le verre à moitié plein, on a déjà fait tout ça. Je vous montre pas les tronches des enfants, c'est un petit peu prohibitif. Ça tombe bien, on perd le set de ma mère. La galère. Radi, elle est venue nous chercher. Voilà. Una pequeña. Wow, ça. Hola. Nous sommes à Medellín et nous faisons du tourisme. En espagnol, le tourisme. Tourisme. Nous sommes dans le téléphérique Metro Cable de Medellín. Et là, il faut juste patienter. C'est mon premier téléphérique. T'es sûr? Le mettre en câble. Là. La repa al plato. Apago el fogón. Chorizo el plato. Je suis dans la forêt tropicale! Non, c'est pas vrai. Je suis dans une reproduction de forêt tropicale dans le parc botanique de Medellín. Alors on est ici sur la place Botero, qui est un Botero, c'est un sculpteur de Medellín qui vit encore aujourd'hui, qui a 90 ans. Donc la place Botero, elle se situe en plein centre de Medellín. Ici on est à côté du Palais de la Culture et on est à côté du musée d'Antioquia. Et donc Botero, il a fait des sculptures très caractéristiques en bronze, très épurées, et sa patte est de réaliser des sculptures toutes grosses, que ce soit exagérément grosses, que ce soit des personnages, des hommes, des femmes, toujours très gros, mais aussi des animaux. Il y a un cheval, un chien, tout le monde est très gros. Et tout le monde aime beaucoup Botero ici à Medellín. Aujourd'hui, j'ai découvert un nouveau fruit qui s'appelle la mangostine. Et c'est drôlement bon.